Ne oubliez pas le gros pouce bleu, c'est gratuit. Salut tout le monde, c'est Superflu, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur Need for Speed 2, donc il est sorti en 2009. Donc c'est une vidéo découverte, oui et non, en fait le jeu est sorti depuis 2009 sur PS3. Donc comme ma chaîne, comme vous avez vu, je fais des vidéos sur des anciens jeux. En fait je m'explique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur FIFA 2015 et on m'a dit ouais le jeu est sorti il y a un an, mais en même temps c'est une chaîne gaming les gars. Donc j'ai envie de vous dire, en même temps c'est le but de faire des anciennes vidéos sur des nouvelles vidéos sur des anciens jeux comme là. Donc du coup là je voulais juste vous expliquer. Et là en fait bah je vais laisser le petit gameplay et on se retrouve pour la course à tout de suite. Du coup je voulais vous disais en fait bah c'est une vidéo en fait découverte sur le jeu parce que bah c'est une chaîne gaming et du coup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais c'est une chaîne gaming, pourquoi tu fais pourquoi tu fais des anciens jeux, le jeu il est sorti il y a un an. Et alors j'ai envie de vous dire, on se parle, il y a une petite, ils font une petite course, mais c'est pas grave, je vais m'expliquer, c'est pas grave, on va laisser petit gameplay, c'est pas grave. Même le jeu il est sorti il y a 9, il est sorti en 2009. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, je m'en fous un peu parce que le jeu, même si c'est vieux, voilà. Donc là, c'est moi qui conduis. Même si le jeu il est sorti depuis longtemps, mon but c'est de faire des vidéos sur des anciens jeux ou sur des nouveaux jeux. C'est une chaîne gaming, les gars, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est normal un peu. Donc voilà. Le jeu en fait je suis pas la fan de jeux de voiture, mais là c'est ma copine en fait qui m'avait dit ouais prends le et tout, parce qu'il y avait deux jeux de voiture, il y avait Need for Speed et un autre jeu, et j'ai fait à ma copine ouais je prends quoi, elle m'a dit bah prends celui-là, il a l'air pas mal, donc je l'ai pris. Et moi je pensais que les graphismes ils allaient être vraiment pourris, en fait les graphismes sont super cool comme vous voyez là. Je remarque en bas à droite quand je conduis, quand on va trop vite dans les virages, il y a pour dire que la voiture risque de déraper. Donc ça c'est super cool. Voilà, je suis vraiment pas fan de jeux de voiture de course et tout. Mais j'ai testé la démo du dernier Forza, le dernier Forza sur Xbox One. Et la démo elle est juste énorme, le jeu aussi. On peut piloter des voitures de Formule 1 et tout. Donc c'est vraiment cool. Et là c'est allé, je me mets un peu au jeu de voiture. Après s'il y a des personnes qui l'ont, le jeu là, Need for Speed, sur S3, dites-moi le en commentaire si vous voulez jouer avec moi et tout. Je ferai d'autres vidéos un peu, ça va changer un peu de GTA, parce que voilà, là je suis en vacances, donc du coup on va tout faire, on va faire des vidéos un peu, ça va changer. On va mettre moyen. Attendez, je vais faire un peu les réglages, je suis pas un peu trop fort en réglage. Jeu de voiture non plus, je suis pas un bon non plus. Donc on va essayer de faire des choses. Voilà, mon but en fait c'est de... Je préfère préciser pourquoi je fais ça comme vidéo. Parce que mon but c'est une chaîne gaming, je vais pas faire une chaîne que sur GTA. Parce que voilà, je me répète, c'est sûr, c'est chiant de me répéter. Mais bon, il y a des personnes qui comprennent pas, qui me disent ouais, pourquoi... Pourquoi tu fais des vidéos, le jeu est sorti il y a un an et il y a un abonné qui a répondu à ma place qui a fait oui mais en même temps c'est une chaîne gaming, et en fait il a pas tort, c'est une chaîne gaming, donc à la base je vais pas faire que les mêmes vidéos.
À la fin, ça devait vous saouler. Donc là, je change un peu les jeux de voiture. Maintenant, j'aime. Avant, j'aimais pas du tout les jeux de voiture, ça me saoulait. Maintenant, je kiffe les jeux de voiture. Et du coup, c'est pour ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire, ça va changer un peu. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, un maximum de commentaires, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de partager si c'est pas déjà fait, comme d'habitude. Proposez-moi d'autres vidéos si vous voulez voir sur GTA, Need for Speed, FIFA. Max Payne 3, là faut que je passe pendant les vacances, là j'ai une semaine donc, du coup je vais faire du Max Payne parce que j'avais promis du Max Payne mais je l'ai pas fait. Il y a d'autres vidéos, dites-moi le en commentaire. Désolé si vous entendez le bruit de ma fenêtre parce qu'en fait il fait chaud donc du coup je vous ferme ma fenêtre, j'en peux plus sinon je vais fondre. Donc ça c'est ma voiture, ok. C'est j'espère quand même que je vais gagner. Moi, il y aura plusieurs étapes, je pense. Go! D'accord, il y a la vue comme ça. Mais moi, je crois que je vais rester à la vue à l'intérieur, première personne. Parce que je préfère conduire comme ça. Quand j'ai testé le nouveau Forza, pareil sur Xbox One, je suis resté comme ça. À la première vue, à la première personne. Oh, ça se tape au mieux là. Ah, sur les jeux de voiture, en fait, le truc que j'adore, c'est quand on se tape dedans, que t'as la main qui perd son pare-choc, les trucs comme ça. Ça, j'adore. Ouais, voilà, lui, il est mal au cul. Il a le coffre un peu ouvert. Par contre, ouais, juste faire gaffe un peu de pas partir dans le décor. Allez, bim, dégage. Donc, je l'ai envoyé, je sais pas où, je l'ai envoyé. Hop là, quand même. Faut que je freine un peu dans les virages parce que comme la voiture, il y a le voyant en bas qui s'allume. Si on prend trop le virage, à mon avis, on sort de la course. Je sais pas si on peut se retourner. Si vous l'avez déjà fait ce jeu, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà retourné avec les voitures ou pas. Parce que vu comme le voyant s'allume en fait dans les virages, à mon avis, il y a des risques de se retourner. Je suppose. Je n'ai jamais fait donc je peux pas vous dire. Donc au deuxième tour. J'espère vraiment que je vais gagner. Même si j'arrive. Deuxième, c'est pas grave, ça sera pas mal. Pour la première fois. Donc voilà, hop. Ouais, faut qu'on freine un peu dans les virages, voilà. Pas trop non plus. La voiture, de toute façon, on le sent quand elle part. Parce que ça va vraiment dans les virages quand on roule trop vite. Et du coup, je la sens en fait. Dès que tu veux mettre un coup de volant, le volant il va se tourner comme vous voyez un peu trop vite des fois. J'en fais pas du tout esprit. Bon, la voiture elle sort vraiment, mais tu peux pas la récupérer. Ah, voilà, comme ça. On peut pas vraiment la récupérer, la voiture elle sort vraiment. Soit faut que je fasse les réglages ou je sais pas. Bon, c'est peut-être le jeu qui est comme ça. Mais j'adore comme jeu parce que tu peux faire ta carrière. Là, c'est ma carrière. Et je trouve ça cool comme jeu. Voilà. J'ai fini 3ème. 4ème. Bon, ça va. C'est pas mal pour un début. C'est sûr, vous allez me dire, ouais, tu peux faire mieux, mais je m'en fous. C'est juste, voilà, c'est pour. C'est le début, après, je me rattraperai sur les autres courses ou les autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, j'ai gagné en sous. J'ai gagné des sous. Donc, le but de la carrière, c'est bien sûr de gagner des sous et acheter une voiture, des voitures. Ah, ce jeu-là, je l'ai jamais fait. J'ai déjà joué d'autres jeux vidéo, jeux de course de voiture, avec un ami sur Xbox 360. Avant que je me lance sur YouTube, bien sûr. Mais c'était vraiment. Je finissais soit dernier ou soit on faisait les cons. Mais. Je suis pas vraiment. Avant, au début, j'étais pas fan des jeux de voiture. Et là, depuis même pas un an, je suis fan. Même pour vous dire, moi, mon premier jeu que j'ai eu sur Xbox 360 quand je l'ai eu avec, c'était Forza 2 Horizon. Et j'étais vraiment à fond dessus. Mais après, ma Xbox a commencé à déconner et tout. Mais sinon, c'était mon premier jeu. Mais c'était sans plus. Et là, de toute façon, comme on dit, la génération des jeux, ça change. Donc même les graphismes et tout. Donc voilà. Donc on va prendre une voiture, le but c'est d'acheter une voiture. On va s'acheter une petite voiture, je sais pas quoi prendre.
Déjà, on est chez les Audi. Bon, déjà, j'ai pas beaucoup de thunes. Il faut qu'on ait une voiture qui soit pas dans le rouge, bien sûr. Les Audi, c'est mort. Je sais pas comment voiture. À vous de me dire dans les commentaires si vous avez bah, la même thune que moi. Comme voiture vous a pris Ford. Soit c'est Ford. En fait, je voulais vous dire aussi, vous pouvez me rejoindre sur Clash of Clans. Je recrute des bons joueurs level 30. Donc mon clan, c'est les super. Les, vous marquez les super. Donc super, c'est en 3, non un E. Super héros. HERO. Sans accent et sans S à la fin. Et vous pouvez me rejoindre dans Clash of Clans parce que je recrute et parce que là, ouais, j'ai fait un prix du coup dans Clash of Clans. Donc si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de souci. Du coup voilà. Donc level 30, bon joueur. Pas de kikou. Pas des gens qui font ouais, un abonné, je veux un youtubeur, je veux trop gentil, puis je pars au bout d'une heure ou un truc ça. Non merci. Je sais pas quoi prendre comme voiture, on va revenir en début. Mais j'ai pas beaucoup de thunes donc c'est marrant, je peux pas prendre une Audi. Sinon j'aurais pris une Audi. J'aurais peut-être pris, ouais, celle-là je pense que je l'aurais pris. Mais j'ai pas assez de tout. Du coup je sais pas quoi prendre comme voiture. C'est comme ça, c'est pas autrement. Quand tu sais pas quoi choisir comme voiture, c'est chiant. La preuve, même moi je sais pas quoi prendre. Donc on va prendre je sais pas quoi. C'est pas. Soit je prends chez Renault. Là t'es pas mal Renault. Donc soit ouais, je prends chez Renault ou je vais sur Volkswagen, ou chez Volkswagen, ouais. Non, j'ai pas assez pour la prendre. Ah si j'ai assez. Si je prends ça. Ouais, Golf. Volkswagen Golf. Golf ou Volkswagen. Oh, il est cool. Classe 1. On va commencer par classe 1. Je sais, j'ai la classe. Merci de me le dire. Donc, on peut voir les courses, les circuits. Les circuits. Et on est à Londres. On va prendre pas le premier. Ah, moi, je prends le premier. Oui, on va prendre le premier, je pense. Ou celui-là, je sais pas, attendez, je regarde les circuits, comme je dis, les circuits. On va prendre celui-là. Ah, c'est ma voiture, ça? Il y a un souci. Ah non, parce qu'il montre, ok. Ok, moi je la fais passer, ça a plu. J'allais dire, attends, j'ai pas pris une BM, quand même. J'allais dire, il y a un bug de la console. Mais non, parce qu'il manque par des points de profil. À quel moment je suis allez, hein, c'est parti. Bon, allez, dites-moi en commentaire si vous avez fait la liste au Père Noël. La liste au Père Noël, non, je déconne. Non, mais vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël. Moi, j'espère que mon frère prend bien mon avare média. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous allez avoir pour Noël. Le mec il me prend une photo de je sais pas quoi, mais il prend pas la voiture, mais c'est pas grave. On n'en veut pas. Et ouais, comme vous avez vu, j'ai mis une vidéo sur le samedi. J'étais à avoir un match de hockey avec mon frère. Donc les Dragons de Rouen contre les Bordeaux Boxers. Donc c'est Rouen qui a gagné, les Dragons 4-2. Au début, bah. Je vous ai pas tout mis parce que j'ai pas mis les buts, mais en fait nous on était placé debout à la base, on avait, voilà, on était placé debout, donc du coup j'avais droit de voir les joueurs rentrer, c'était trop la classe. Le plus impressionnant en fait c'était le gardien, comme elle est, voilà, c'est un gros mythe le gardien, seulement avec son équipement, mais sinon c'était un beau match. Au début bah on perdait les Dragons,
Ils étaient en train, ils perdaient 1-0, après ça faisait 2-2. Dans 2-0. Ils ont rattrapé, je crois, la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, pardon. Ouais, c'est non, la première partie. Oh, je sais plus, oui, c'est ça, la première partie, ils ont rattrapé. La pause de la première partie. Ça faisait 2-1, après ils ont rattrapé. Et après, ça fait 2-2. Après, ils ont marqué, ça faisait 3-2, bien sûr. Et la fin, c'était juste parce qu'en fait, bah, ils devaient sortir un joueur. Et donc, du coup, ils ont sorti le gardien de chez Bordeaux. Et du coup, bah, ils ont profité pour. Moi, j'ai profité parce que ça me faisait découvrir un autre sport. Je connaissais pas du tout le hockey. Je voyais juste à la télé, mais en vrai, j'ai jamais vu. Donc, ça m'a fait super plaisir d'aller voir un match de hockey. Et donc, voilà, les Rois. Comme je suis de Rouen, c'est les Rouennais qui ont gagné. Ici c'est Rouen et bravo aux Dragons. Ils sont premiers au classement du. Je sais plus c'était quoi comme match. Mais ils sont premiers. Donc c'est cool. Mais si vous voulez voir un joueur un match de hockey, allez voir. C'est vraiment cool. Ça change un peu de sport. C'est un mélange de. Comment je peux vous dire de. Bah, de patinage plus de catch. Sans vous mentir, pas celui de la bagarre, il y a eu un mec qui s'est fait. Je sais pas si s'est fait péter le nez ou quoi chez Bordeaux, les plantes sont par terre. Ils ont sorti, ils ont fait un arrêt du match. Et juste après, on n'a pas compris, il y a un gardien, un joueur de Rouen, il a mis un coup de crosse dans la gueule sur la tête du gardien de Bordeaux. Donc, heureusement, il y avait son casque, mais ils ont arrêté le mec, il était sorti. Il était en prison, je sais pas si vous voyez, il y a une prison en fait avec un temps d'arrêt de jeu pour la personne. Et en fait, bah, on n'a pas compris pourquoi il a fait ça. Et c'était drôle façon de parler. Et le mec en fait, il a enlevé son casque, il a regardé s'il n'y avait pas un trou. Mais bon, il paraît que des fois ça finit en bagarre. Mon frère, il me l'a dit, plusieurs fois il était voir des matchs hockey, il paraît que ça finit en bagarre. Et c'est super drôle. Et on m'a posé en question, il y a des abonnés qui m'ont demandé est-ce que j'étais de Rouen. Oui, je suis de Rouen. Donc j'habite sans mon square, donc oui je suis de Rouen, je suis à 5 minutes de Rouen. Donc si la prochaine fois je vous dis que je vous dirai sur Facebook ou c'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Comme ça je pourrai vous donner des informations sur quel match je vais aller voir. Donc c'est pour ça, suivez-moi un max de personnes sur Twitter et Facebook, tout est dans le lien dans la description de la vidéo bien sûr. Et comme ça vous pouvez faire vous pouvez jouer pas jouer mais. Allez voir le match avec moi hier, pas de soucis. Donc du coup voilà. Mais voilà, si vous voulez voir un match de hockey avec moi, si vous voulez, voilà, je vous dirai en commentaire. C'est pour ça que je vous dis, suivez-moi un mec sur Facebook et Twitter hein, parce que ça sert. Comme ça je pourrais vous dire en vrai quand je vais voir un match et tout. Parce que là je l'ai mis sur Twitter et Facebook samedi. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui a réagi, c'est pour ça venez sur Twitter et Facebook comme ça vous pouvez me faire ah tu vas voir un match de hockey, bah la prochaine fois on ira avec toi, on vient te voir. Et voilà, vous pouvez, il n'y a pas de soucis. Le prochain match on ira voir, c'était la finale, on sait pas encore. Ou un autre prochain match, ça se passera peut-être à Rouen. À Lille-la-Croix, la patinoire Lille-la-Croix. Comment ça s'appelle? Il y aura peut-être mon frère et ma copine, donc si vous voulez me rejoindre à la patinoire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas cher la place qu'on m'a payée, mais on était debout. Comment ça s'appelle? C'était 10 euros. Donc on était 3. Mon frère il me l'a payé pour moi, puis il l'a payé pour un pote, donc ça fait 30 euros. Donc ça va, c'est pas trop cher pour 3 personnes. Mais c'est pour ça. Là, debout, mais après assis, je sais pas c'est combien. Bah, parce que là on était debout. Et c'était à 20h, ça s'est fini vers 22h, je sais plus quoi. Donc, pratiquement 23h. Désolé pour le bruit, c'est la bouteille d'eau qui tombait. Mais comment ça s'appelle? C'est vraiment cool en fait. J'ai vraiment aimé, ça change un peu. Je vais voir un peu me prendre un truc de bronze, une écharpe pour un maillot, mais c'est cher. Mais c'est vraiment cool. Et là on était beaucoup bah, chez Lyon ils étaient 50 personnes supporters de Lyon, c'est vraiment pas beaucoup, un quart complet de 50 personnes à peu près. Et Rouen on était je pars pas vous dire, on était beaucoup beaucoup de supporters de Rouen, mais il paraît que c'était chaud bouillon déjà depuis 18 entre 18h parce que les supporters sont arrivés de bonne heure et le match il commençait que à 20h. Il paraît que c'était chaud bouillon depuis 18h.
Donc voilà. Et même nous, quand on était dehors, quand on était en train d'arriver, on attendait le pote à mon frère. C'était vraiment chaud. Disons, oh, le mec, il fait quoi? Il arrive en marche arrière. MDR. Comment ça s'appelle? C'était vraiment chaud parce que même quand on était dehors, les mecs ils s'arrivaient et tout, on les entendait avec les tambours. Et on a parlé avec un vigile, pareil, le mec il me disait quand Bordeaux ils ont. Les supporters de Bordeaux sont descendus du car, et c'était vraiment à fond là, à taper sur les tambours, à crier et tout. C'est vraiment une ambiance de folie, j'ai envie de vous dire. Et moi j'ai vraiment aimé, c'était la première fois. Et c'est pour ça, venez me suivre sur Twitter, en Facebook, et comme ça je pourrai vous dire quand je retourne à la patinoire, à quel moment, quel match. Et du coup voilà. J'avais dit à un moment je devais aller à la foire Saint-Romain à Rouen. Mais le souci c'est qu'en fait cette année il n'y a pas la foire Saint-Romain. Parce qu'il y a un abonné qui m'a dit qu'il devait y aller, mais en fait bah, je pourrais pas faire une rencontre d'abonnés à la foire Saint-Romain. Mais c'est pas grave, on pourra faire une rencontre d'abonnés si vous voulez, s'il y a des personnes qui habitent sur Rouen ou alentour de Rouen. En Seine-Maritime ou autre, non, on peut faire une rencontre d'abonnés si ça vous dit à la patinoire par exemple, pendant un match, ou je sais pas, à la Fnac ou au Doc 76 chez Micromania, on peut je pourrais faire ça avec vous si ça vous dit une petite rencontre d'abonnés. Donc, à vous de me dire dans les commentaires si vous habitez dans la région haute Normandie ou Seine-Maritime, et je pourrais vous dire si ça vous tente de faire soit avant Noël, entre comme ça, chez la Fnac ou au Doc 76. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, portez-vous bien, et salut, salut, salut!